Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour une nouvelle journée. Une nuit un peu chaotique, on va dire. Chris s'est réveillé plusieurs fois. Donc en gros, j'ai pas dormi 2 heures d'affilée à chaque fois. À 6h30, monsieur avait décidé que c'était le jour. Je lui ai expliqué que non, c'était pas le jour. Bon, voilà, ça a été compliqué. Finalement, il est sorti de son lit à 7h30. Et mère indigne que je suis, vous pouvez me flageller, mais alors je m'en tape royalement. Il a regardé YouTube. Kids. Voilà. Ce qui m'a permis de me lever à 8h30. Voilà, j'ai pu essayer de dormir. J'ai beaucoup dormi. Moi, j'ai dormi en sécalif. Je ne me suis pas endormie avant 2h du mat. Donc voilà. Et là, les enfants sont en train de prendre le petit-déj. Mon Chris a déjà pris son livre. Je lui proposais des céréales en plus. Il a vu celle de sa soeur, donc je vais lui proposer. Et moi, je vais prendre mon petit-déj aussi. Je vais commencer ma journée avec ma détox. Celle qui me suit ça, que je travaille chez Moder. D'ailleurs, il faudrait que je vous mette en barre d'infos si vous voulez, si ça vous intéresse. Donc, mon Acai Boost pour avoir de l'énergie sur ma journée et qui aide aussi à ma perte de poids. Parce que merci les vacances. Et minéral classique qui aide la détox et qui va permettre aussi d'avoir un effet un peu coupe-faim, perte de poids, énergie. Il a plein de choses. Il fait plein de choses. Donc, si vous voulez des infos, n'hésitez pas. Remets ma tronche. Merci. Il va falloir que je me maquille un peu quand même. Voilà. Sur ce, je vais me faire ça. Un comme ça. Je me l'ai grillé. Et mon petit déj. Allez, c'est parti. Katen m'a réclamé un thé ce matin. Dit déj de grande. Hein. Parce que nous, d'habitude, avec l'école, on ne s'embête pas. C'est le biberon parce que elle est un peu de temps ce matin. Donc voilà. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me pousses? Pousse. Bah pourquoi pousse? Tu veux le thé aussi? Tu veux du thé? Coquin, laissez installer lui. Oui, il joue. Il geek. Bon, on a retrouvé les copains. Quoi? Oui. Donc on a retrouvé les copains pour découvrir le nouveau méga store d'Orchestra qui vient d'ouvrir aujourd'hui. Comment vous dire que c'est juste immense? Il est immense comme magasin. C'est un truc de dingue. On vient déjà de faire un tour, on était perdus. Là derrière. Ouais, c'est pas mal le ballon finalement. Pour la repérer. Et comme dans tous les orchestras, vous avez une aire de jeu. Et là, elle est juste énorme celle-là. Regardez cette taille de truc. Vous avez même la télé. On a le truc quasiment privatisé. Il n'y a plus que nos 5 gosses. Bon, il y a une petite puce encore. Mais alors, sinon, c'est les nôtres, Lali et moi. Voilà. Ils sont bien trouvés tous les 5. Hein. Katel ! Bon, j'ai été missionnée par Lali pour lui prendre des photos des différentes zones. Et bah, si ça vous intéresse, je pense qu'elle va faire un article. Elle a fait des stories d'ailleurs. Madame Flouch, ah mais elles y seront plus demain. Bon, c'est pas grave. Je vais finir, je vais tourner un petit peu en faisant les photos. Après les chaussures, le coin bébé. Il y a des choses trop belles. Regardez ça, comme c'est trop beau. Après, on passe à la partie puériculture. Là, je voulais vous montrer, je crois, le truc maternité. Là, vous avez un endroit pour faire les listes de naissance en direct. Voilà. Donc, les chambres. Un coin sommeil. Donc, des exemples de chambres. Trop beau. Et là, on arrive sur un corner exprès Baby Move. Savoir, Baby Move est clairement toi. Et vous avez donc un gros corner exprès Baby Move. Donc le corner Baby Move est juste énorme. Et en fait, vous avez plusieurs zones. Voilà, future maman, sommeil, confort, repas, les jouets, le bain et la sortie. Et là, on va arriver sur le truc le plus énorme. Ils ont mis une voiture au milieu du magasin pour pouvoir essayer les sièges auto. Donc en gros, vous avez un siège auto qui vous intéresse, vous voulez essayer de le monter, mettez votre enfant dedans.
Et bah vous pouvez, vous avez plus qu'à l'installer dans la voiture. Elle est ouverte hein, la voiture. Regardez. Hop là. Et on installe. Comment dire, c'est juste génial. Et il y a plein de choix avec des sièges qui sont très bien notés au crash test. Donc franchement, au top. Puis on passe au coin promenade avec les poussettes qu'on peut essayer. Vous avez même là, je vais vous montrer une zone où on peut tester les poussettes sur les zones. Et vous avez plein de corners, je vais vous montrer ça. Regardez, vous avez Baby Zen, Cybex, Nuna. C'est ce que je vous disais. On peut essayer les poussettes. Vous avez Nuna et Bébé Confort. Puis on passe à la partie bain. Un petit coin un peu parapharmacie, repas, etc. Une partie repas. On regonfle le ballon, tu fais comment? Alors depuis tout à l'heure, j'ai deux là. Ils me font gonfler des ballons. Pour après, les lâcher. Voilà, ça fait genre une demi-heure que je fais ça. Tiens, parce qu'en fait il y a un atelier maquillage et donc on attend que les enfants passent un par un pour les faire patienter. On trouve une solution. Ballon. Où est le ballon? Je crois que ça les a épuisés. Fatiguée aussi. Tu vas aller faire un petit dodo dans ton lit, mon cœur. Non, avant pour habiller mes sirènes. Je vous reprends que maintenant il est 18h. Je voulais vous montrer ce que j'ai. Christian, arrête. Voilà, je suis encore sur le ballon. Alors imaginez, j'ai un peu marre du ballon. Je voulais vous montrer ce que j'ai pris à Orchestra. Alors j'ai un peu craqué mon slip. Mais bon, avec la carte à 10€ au lieu de 30. Et ça te permet d'avoir tout le textile à moins 50%, ça valait le coup. Parce que j'en ai eu pour, vous voyez, 74,93€. Normalement, je crois que c'était marqué. Christian, c'était marqué plus de 130€. Donc, ça le fait. Alors, j'ai pris des caleçons McQueen pour mon bébé. Voilà, qui était à 5,49€. Je lui ai fait un petit plaisir en lui prenant ça. Alors là, je sais plus. Je pense pas avoir eu de réduction dessus. Bon, c'est pas bien grave. T'as vu? C'est les coloriages? Non, je ne ferai pas le truc. Alors, Katel, j'ai craqué, mais alors littéralement craqué sur cette robe qui est juste, mais trop belle. Regardez-moi cette merveille. J'en suis trop fan. Voilà, elle est superbe. Alors, elle était normalement à 30,99€ et je l'ai eu à 15,49€. J'ai pris un jean à Katel. Voilà, tout simple. Donc normalement, 6,95€, je lui ai à 6,48€. Un pull pour Christian, que j'aime beaucoup, il est superbe, qui était à 21,99€, je l'ai eu à 10,99€. Un polo pour monsieur, un genre de polo, t-shirt polo, comme ça, qui était à 15€, je l'ai eu à 7,50€. Christian, après mon cœur. Attendez, je vais gonfler un ballon. Tiens. Je continue. Et pour finir, donc j'ai encore deux trucs à vous montrer. J'ai pris ça, un pull pour 4 qui est trop beau aussi. Franchement, j'ai adoré la collection des filles. 22,99€, je l'ai eu à 11,49€. Et pour finir, des leggings comme ça. Hop, ce sera toujours pratique à 5€ au lieu de 10€.
Voilà, donc maintenant j'ai la carte que j'ai prise à 10 €. Donc je pense que régulièrement on se fera plaisir. On ira à Orchestra pour se faire plaisir. Vu que la tronche du magasin, il y a de quoi se faire plaisir. Allez, je coupe, tout à l'heure. Bon, petit frère et au dodo, nous on va se faire un petit jeu de société. Batawaf. Et après au dodo. Oui, c'est demain, il y a école. Et il est déjà 8 h. D'habitude, ça fait longtemps que tu dors. Allez. Ah, c'est toi. Comme ça, après, tu peux les mettre tout de suite en dessous. Bon, c'est toi. Ah. Et moi encore. Attends, je vais pris deux. Fais-moi encore. Fais-moi encore. Élevé. Ah, c'est toi. Vas-y, tu la tournes et tu la glisses. Voilà. Vas-y. Allez, c'est la fin de la journée. Je vais clôturer le vlog là, je vais le monter maintenant. Comme ça, c'est bon. Et parce que demain matin... sale, comme c'est chargé cette nuit. J'espère que ce petit tour à Orchestra, cette balade, cette visite du Megastore d'Orchestra de Clermont-Ferrand vous aura plu. Il est, pour celles qui se demandent à Clermont, il est au Brézet, aux côtés du Bricoman, je crois. C'est un gros Jiffy Bricoman, je sais plus trop ce qu'il y a, mais voilà, il est au Brézet. Vous tapez sur Waze, vous tapez Orchestra Clermont, vous le trouvez direct. Voilà, pour info. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Moi, je vais faire mon vlog et on va se regarder. On est sur Defenders en ce moment avec mon chéri. On est à fond dans, dans cette série de Marvel, ces super-héros. On s'est fait tous les deux séries de Luke Cage, les deux saisons. On s'est fait les deux de Daredevil. On s'est fait les deux de Jessica Jones. On a fait la première d'Iron Fist et là on va se faire Iron la saison 2 quand on aura fini les Defenders, et je pense qu'après on fera les Punisher, mais on a aussi la saison 4 de The 100 à faire. Bon, on a encore quelques séries à regarder. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.